On est sur le pavillon portugais et c'est un bateau qui est comme le Vaporetto de Venise. Ça, c'est le bateau qui fait la rivière de Lisbonne et c'est qui fait le croisement de la rivière de Lisbonne d'un côté à l'autre. Et c'est un bateau qui est très connu, il fait partie de l'image de la ville de Lisbonne. Alors on a voulu amener ce bateau pour faire cette relation entre les deux villes et cette relation maritime qu'on a. Ça veut dire nous à Lisbonne et ici à Venise. Alors c'est une relation d'abord entre les bateaux et après on a recouvert tout l'extérieur du bateau avec un panneau d'azulejos avec la ville de Lisbonne. On a voulu faire une comparaison entre les deux villes et voilà, là on est dans le pavillon portugais avec la ville de Lisbonne. À l'intérieur, j'ai fait une installation où j'ai tricoté. J'ai fait du crochet, j'ai fait du tricot, j'ai cousu plein de tissus avec de la lumière. C'est la première fois que je fais ça dans mon travail et j'ai voulu faire une sorte de fond de la mer, de cet univers qu'on ne connaît pas, où il y a les méduses, où il y a tous ces animaux qui ont de la lumière, et un peu d'amener le fond de la mer dans le bateau. Il y a une certaine inversion. En même temps, il y a aussi une respiration dedans le bateau, une respiration intérieure, parce que la lumière, elle fait fade in and fade out, et ça nous donne l'impression que ça respire. Et c'est une sorte de Moby Dick, Jules Verne, tout cet imaginaire que j'ai voulu amener dans cette installation. En même temps, ici dans le deck, c'est le lounge du pavillon. On est entouré par liège, qui est une matière portugaise, les azulejos aussi. Alors j'ai voulu amener tout ce qui est naturel et traditionnel du Portugal, mais en faisant une installation contemporaine vers le futur. Alors vous voyez, à Venise, parfois il y a des choses qui durent. Ici, c'est une installation de Tobias Rehberger qui avait eu lieu. Tobias Rehberger, qui est un artiste allemand, qui vit à Berlin, qui avait eu lieu pour la Biennale de Venise de, que je ne me trompe pas, 2008. C'était une installation qui était aussi le café, puisqu'effectivement, vous pouvez voir avec Jorge Pardo, qui est un artiste d'origine cubaine et qui vit à Berlin entre Berlin et New York depuis de nombreuses années. On est vraiment là, pour le coup, on est beaucoup plus dans l'esthétique des années 90. Avec ces couleurs un peu flashy et cette manière de designer l'espace entièrement. Vous avez pu voir que dans l'exposition, on ne va pas trouver vraiment le même genre d'esthétique dans le reste de l'exposition de la Biennale, ce qui prouve bien que vous voyez l'air du temps bouge et que les formes esthétiques ne sont pas les mêmes en fonction des interrogations qui sont des interrogations actuelles. Jorge Pardo et Tobias Rehberger ont toujours voulu faire des espaces à vivre, d'où le fait que ce soit un café. Et je pense que c'est tellement réussi que la Biennale de Venise a décidé de garder ce café et continuer à le faire vivre. Hello, I'm Wang Chongqing, curator for Chinese Pavilion at the 5th Venice Biennial. So I'm happy to introduce something about the Chinese Pavilion. Why I call my pavilion as the transfiguration. As you know, transfiguration is a term used in Western art history, even especially used for Christianity. It refers appearance of Jesus Christ. But in the later use, it refers to transformation changes. So for myself, I want to use this term to describe how China is changed or transfigured, how Chinese art is changing, how Chinese social life is changing. So that is my basic idea. Why I choose the artist for this pavilion, I invite 7 Chinese artists. They are diversified in media, in topic, in ideas, in attitudes. China changed a lot in the past 3 decades, so a lot of people feel curious about China, why China changed in this way, how it will be changed in the future. So from this diversity, the 7 artists, so we can feel Chinese artists become more and more active, more and more
independent or more individual. Because of this Chinese Pavilion for this year, you can feel that. En fait, je suis hors plan, entre autres, et dans la mesure du possible. J'expose à la Biennale, donc en fait, j'ai surtout monté mon expo pendant les premiers jours, et je n'ai pas encore vu énormément d'art. Mais j'ai vu l'exposition de Bill Culbert, qui est vraiment très intéressante, et j'ai vu aussi la Grande-Bretagne, et surtout, j'ai vu le pavillon français, que je trouve absolument extraordinaire. Et bien sûr, l'idée d'avoir échangé les pavillons, que les Allemands exposent dans le pavillon français et les Français dans le pavillon allemand, je trouve ça absolument extraordinaire. Moi qui suis du côté de l'hybridation, je ne peux qu'apprécier vraiment beaucoup. Et dans l'exposition où je suis, le titre est « Les métamorphoses du virtuel ». Et il y a quatre artistes qui exposent. Pia Wirvold, qui est en fait une artiste norvégienne, Miguel Chevalier, moi, et aussi Anne Sendat, qui est aussi une artiste norvégienne, et qui tout le monde en fait a fait des œuvres avec les nouvelles technologies, avec de l'interactivité, avec des projections. Et moi, je présente deux nouvelles pièces. Une très grande projection où il y a en fait un autoportrait de moi en 3D et qui est en écorché. Mais un écorché qui n'est pas uniquement médical, parce qu'il a aussi des éléments qui sont des éléments de mesure du corps qui sont très cyber. Et c'est la liberté en écorché. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la liberté, les libertés sont écorchées. Non plus d'interface avec le monde pour calmer la violence. Et ça, je pense que c'est vraiment un très gros problème de notre époque. Et s'il n'y a pas cette interface, la barbarie peut revenir très vite. Alors à Venise, je présente un nouveau film qui s'appelle Grosse Fatigue. C'est un film qui est issu d'un travail de recherche que j'ai fait pendant plusieurs mois à Washington. J'ai obtenu une bourse de recherche qui s'appelle le Smithsonian Research Fellowship, qui est une bourse de recherche destinée aux artistes. Et comme au moment où je devais appliquer pour un projet pour cette bourse, j'étais fascinée par le site internet du Smithsonian, qui est le plus grand groupement de musées du monde, qui est la plus grande base de données du monde. Et j'étais subjuguée par le côté excessif de cette base de données. Et c'est ce qui m'a en fait incité à travailler sur cette idée de l'excès de l'univers, de cette idée des projets globalisants. Donc j'ai écrit un projet au Smithsonian en leur expliquant que je voulais travailler sur l'histoire de l'univers, la manière dont elle a été racontée, à la fois dans les mythes et à la fois aussi dans les différentes stratégies de compression en fait, du savoir, que ce soit une bibliothèque, que ce soit le principe même de l'ordinateur, donc le principe de l'hypermédia, que ce soit la représentation de l'Arche de Noé ou le Divination Basket africain. Et ensuite, ce projet de recherche a donné lieu au film qui est présenté à l'Arsenal.